Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous allons maintenant attaquer le principe d'équivalence. Alors, la physique classique introduit en réalité deux sortes de masse. Il y a d'abord la notion de masse inertielle, qui intervient dans le principe fondamental de la dynamique de Newton, qui dit que la force appliquée à une masse inertielle Mi lui communique une accélération A, selon la relation vectorielle F égale MIA. Cette masse traduit la résistance d'un corps à la mise en mouvement. Plus il est massif, plus il est difficile de le pousser pour le mettre en mouvement. La physique newtonienne introduit aussi la notion de masse pesante, celle qui intervient dans la gravitation universelle. Par exemple, si on a un corps de masse MG, sur Terre, la Terre ayant une masse M, masse pesante, et le corps est à distance R du centre de la Terre, typiquement le rayon, hein, s'il est sur le sol, à ce moment-là, il a un poids qui est donné par la force, donc la force F ou la force P pour le poids, qui est donnée par la constante de gravitation universelle, grand G, fois la masse du corps fois la masse de la Terre divisée par le carré de la distance. Les expériences, très tôt, ont montré cette équivalence, l'équivalence, pardon, entre la masse grave et la masse inerte, c'est-à-dire qu'elles sont toujours proportionnelles l'une à l'autre, avec une constante de proportionnalité toujours identique. On peut le constater en utilisant des balances, des dynamomètres, toutes sortes d'instruments. Déjà du temps de Newton, c'était constaté. On a fait des expériences de plus en plus précises, comme l'expérience d'Eötvös, qui a pu mesurer cette équivalence à mieux que 10 exposant moins 12 près. Depuis, l'expérience dite microscope avec un satellite dans l'espace a encore amélioré de plusieurs ordres de grandeur, cette précision. En choisissant des unités appropriées, des unités identiques, en fait, pour les deux masses, et donc une valeur de la constante de gravitation universelle appropriée, on peut alors poser la constante de proportionnalité égale à 1, et la masse inerte est alors égale à la masse pesante, avec une grande précision. Ça, c'est le principe d'équivalence. Dit maintenant principe d'équivalence faible. Il est difficile d'imaginer que cette équivalence soit une coïncidence. Que quel que soit le corps, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa composition chimique, qu'il soit composé de beaucoup de protons, neutrons, ou de plus de protons que de neutrons, etc., ça soit toujours identique. Donc on est naturellement poussé au principe d'équivalence fort, adopté par Einstein, et qui dit qu'il n'existe qu'une seule masse. Une seule masse M, qui est à la fois la masse inerte et la masse grave. Elles sont identiques parce que c'est la même masse. Ça a des conséquences. Si on regarde les relations ici, ça veut dire que l'accélération d'un corps sous la gravité est donnée par G fois la masse de la Terre divisé par la distance au carré, distance au centre de la Terre. Et donc, cette accélération de la pesanteur, généralement notée petit g, est indépendante du corps. Du moins, si le corps est suffisamment petit pour que la gravité ne varie pas le long du corps, donc la distance peut être considérée comme constante, et que la masse de ce corps est suffisamment petite pour que il n'y ait pas de réaction en retour sur la Terre, parce que la gravité va également attirer la Terre, et donc peut changer la distance, le mouvement par rapport à la Terre. Un tel corps petit en taille et en masse est appelé un corps test. Notons que la Lune, par exemple,
n'est pas un corps terrestre. Il n'entre pas dans cette catégorie. Elle est trop grande et trop massive pour être considérée comme un simple corps terrestre. Donc on ne peut pas lui appliquer aveuglément, dans sa globalité, le principe d'équivalence. Cette équivalence avait déjà été constatée très tôt, hein. Galilée l'avait déjà constaté. La fameuse expérience du boulet cru, du boulet plein, à la tour de Pise, petit apocryphe d'ailleurs. Et en tout cas, Galilée l'avait déterminé par l'étude des pendules et des chariots roulant sur des plans inclinés. Il avait pu déterminer cette équivalence et cette universalité de l'accélération de la pesanteur. Effectuons maintenant une série d'expériences, des expériences de pensée. On imagine un homme placé dans une cabine . On parle souvent d'une cabine d'ascenseur qui est petite pour être considérée comme l'équivalent d'un corps terrestre, posée sur le sol, c'est la première expérience. Le bonhomme à l'intérieur lâche un objet et en plus il y a un petit trou et une balle de fusil pénètre dans l'ascenseur. On considère aussi que les parois sont opaques, qu'il ne peut pas savoir ce qui se passe à l'extérieur et qu'il ne peut faire que des expériences localement là où il se trouve. Les constats sont que il tient debout, il a un certain poids sur le sol. S'il lâche un objet, l'objet tombe avec une accélération de la pesanteur G. Et la balle de fusil a une trajectoire incurvée parce qu'elle aussi tombe sous son propre poids. On place maintenant notre ascenseur dans l'espace. Avec une fusée qui le pousse de façon à lui communiquer une accélération G identique à l'accélération de la pesanteur. Là aussi, notre homme est à l'intérieur. Et il y a aussi un trou avec une balle de fusil qui rentre et il lâche aussi un objet. L'homme à l'intérieur va ressentir un poids, en fait une force d'inertie, qui est identique à celle ici, parce que le plancher est accéléré vers le haut et donc le pousse vers le bas. Le pousse à partir du bas. Et donc, il est pressé sur le sol avec une accélération de G. Et du fait du principe d'équivalence entre masse pesante et masse inerte, il constate la même force, et donc comme s'il avait un poids P. De même, s'il lâche un objet, cet objet n'est plus relié à l'ascenseur, et quand l'ascenseur accélère, relativement à lui, l'objet tombe vers le bas, dans l'espace, disons le bas de l'ascenseur, avec une accélération égale à G. Et de même, une balle de fusil, elle aussi, ne subit pas l'accélération, et donc la trajectoire est incurvée. Troisième expérience, l'ascenseur est en chute libre. Il tombe avec une accélération G. On imagine souvent cette expérience avec un ascenseur dans une cage d'ascenseur et le câble qui casse. Et l'ascenseur à l'intérieur tombe. Dans ce cas-là, l'homme qui est à l'intérieur va tomber avec la même accélération que la cabine, et donc il n'a plus de poids, il est en pesanteur, ou plus exactement en impesanteur. De même, la balle tombe à la même vitesse que l'ascenseur, et donc sa trajectoire est rectiligne. Et s'il lâche un objet, celui-ci tombant à la même vitesse que l'ascenseur, avec la même accélération, l'objet va simplement flotter. Avec des conséquences extraordinaires. Si on lâche un verre d'eau, on vide un verre d'eau, l'eau va prendre la forme d'une boule.
Cette expérience a déjà été pratiquée, alors pas avec un ascenseur, ce serait un peu suicidaire, mais avec des Boeing. Ce sont des Boeing qui sont modifiés de façon à l'intérieur à n'avoir aucune architecte, aucune structure, donc il n'y a pas de siège passager, etc. C'est une espèce de grand hangar flottant, volant, et il est renforcé de façon à subir des poussées, des accélérations très fortes. Le Boeing grimpe à toute vitesse vers le ciel, et puis il coupe ses moteurs. À partir de ce moment-là, il est en chute libre. Au début, comme il monte très vite, il continue à monter, donc il parcourt une parabole. Il fait ce qu'on appelle un vol parabolique. Et puis, lors de la descente, il rallume ses réacteurs pour se redresser avant de s'écraser au sol, bien entendu. Pendant toute cette courbe, qui dure de l'ordre d'une minute, si je me souviens bien, c'est pas très long, les personnes à l'intérieur sont dans cet état. En apesanteur, elles flottent, l'eau prend la forme d'une boule, ce qui permet de faire différentes expériences d'apesanteur sur Terre, ce qui permet l'entraînement des astronautes, et ce qui a permis aussi, par exemple, de tourner le film Apollo 13. Dans le film Apollo 13, les scènes où on les voit flotter dans la cabine ont été tournées dans ce Boeing. Si on prend notre ascenseur dans l'espace maintenant, et que l'on coupe les réacteurs, à ce moment-là, on considère qu'on est loin de toute chose, la gravité y est nulle, et il n'est plus accéléré. Les fusées sont éteintes. À ce moment-là, l'homme est en apesanteur, cette fois-ci, il flotte. S'il lâche un objet, celui-ci va également flotter. Et si une balle passe, étant donné que le corps, l'ascenseur n'est plus accéléré, est à vitesse constante, la trajectoire est horizontale, rectiligne. Du fait du principe d'équivalence, ces situations-là et là sont identiques, 1 et 2, et la situation 3 et 4 sont identiques. À tel point que notre bonhomme dans l'ascenseur peut faire toutes les expériences qu'il veut, comme lâcher la balle ou observer la balle de fusil, lâcher un objet ou observer la balle de fusil. Il peut utiliser un dynamomètre, il peut utiliser un accéléromètre. Il lui est impossible de distinguer 1 de 2 et 3 de 4. Il y a totale équivalence physique. Attention, ceci n'est vrai que localement, dans l'ascenseur. Parce que s'il avait un hublot, il lui suffirait de regarder à l'extérieur pour constater s'il est en train de tomber ou s'il flotte dans l'espace, etc. De même, si l'ascenseur était trop grand pour être considéré comme un corps test, la gravité varierait au sein de l'ascenseur, ce qui n'est évidemment pas le cas ici, et on observerait des effets tels que les forces de marée, qui peuvent être mesurées et qui sont dues à la variation de la gravité de point en point. Donc, on peut dire qu'au moins localement, la gravité et l'accélération sont des choses équivalentes. Ce qui mène à une description purement cinématique de la gravité. Si on applique le principe de relativité généralisé, qui dit que tous les référentiels sont identiques, alors les référentiels inertiels sont ceux-là. Flottant dans l'espace sans accélération ou tombant en chute libre avec l'accélération de la pesanteur. Ce sont des référentiels équivalents, des référentiels dits en chute libre. Mais la gravité n'est pas locale. Elle s'exerce sur de grandes distances. Et en plus, elle varie de point en point. Elle n'est pas la même à différentes altitudes. Elle peut même varier selon les lieux. Ce qu'on appelle faire de la gravitométrie et qui permet de mesurer la répartition des masses dans le sol. Donc, on ne peut pas considérer deux référentiels inertiels comme résultant d'une simple translation. Selon le lieu, en deux endroits de la Terre,
La chute libre se fait dans des directions différentes sur la Terre. Donc, les référentiels inertiels sont locaux, mais par translation, on ne peut pas repasser à un autre référentiel inertiel. Ça introduit l'idée qu'on puisse traduire cette équivalence en supposant que l'espace-temps a une certaine courbure et donc que les translations ne sont pas les translations géométriques habituelles. Ce qui a introduit l'idée d'une description géométrique de la gravité. Il est à noter que c'est ainsi qu'Einstein a procédé. Einstein, après avoir formulé la relativité restreinte, s'est attaqué au seul cas qui restait encore à formuler avec la relativité, à savoir la gravité. Très rapidement, il s'est rendu compte que relativité restreinte et relativité générale et gravitation, pardon, n'étaient pas compatibles. Nous l'avons vu. Il y avait une incompatibilité. Il fallait généraliser. Il a cherché comment faire, il a réfléchi. Il a réfléchi à au principe d'équivalence, base de la gravité, et aux conséquences de ça, et ça lui a donné cette idée de formuler géométriquement la gravité, ce qui a mené à la relativité générale. Dans la formulation moderne du principe d'équivalence, on dit que l'espace-temps est une variété courbe, distordue, à quatre dimensions, dont, avec une courbure en chaque point, dont la structure est liée intimement à la répartition des masses qu'elle contient, à la distribution de matière qu'elle contient, à travers des relations comme la relation qui donne la force de gravité. Et localement, en un point, on peut toujours décrire un espace tangent. Alors, c'est équivalent à tracer à la tangente à un cercle. Sauf qu'ici, on a des variétés à quatre dimensions et on considère un espace-temps tangent à quatre dimensions. C'est donc un peu plus compliqué, mais c'est exactement le même principe. Le principe d'équivalence revient alors à dire que il existe des repères inertiels où les effets de la gravité ne se font pas sentir et où on peut donc appliquer la relativité restreinte. Et donc, on trouve un espace tangent qui est un espace de Minkowski pour lequel on peut appliquer la relativité restreinte. Ce qui permet de faire le lien entre la formulation sans la gravité à une formulation avec gravité. Il nous reste un point à éclaircir, alors nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Il nous reste à faire le lien entre cet espace-temps courbe, la gravité, le mouvement et la notion de géodésique. Et donc, ça, et nous regarderons ces notions de géodésique d'un peu plus près. Ça ne sera pas très long, et ça, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.